Dans cette seconde partie concernant les types de données, nous allons évoquer les types composés. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons vu les types scalaires. Aujourd'hui, nous allons voir les types composés en Rust. Alors, un type composé va pouvoir regrouper plusieurs valeurs en un seul type. Le Rust possède deux types composés primitifs dont les tuples et les tableaux. Donc nous allons essayer d'abord de voir le mécanisme qui se cache derrière le fonctionnement des tuples, puis nous allons directement y aller vers ceux évoqués au niveau des tableaux. Alors, un tuple, c'est quoi? Un tuple est une façon générale de regrouper un certain nombre de valeurs de type différent en un seul type composé. Illustrons mes dires avec un exemple schématique. Nous avons un panier. Panier, généralement, c'est un panier à main, un sac à main, voilà. Nous avons un panier qui ici sera considéré comme un type tuple. Le panier sera un type tuple. Si nous mettons dans ce panier tout d'abord des entiers, des flottants, des caractères, puis des booléens, nous constatons que tout ceci est rassemblé dans un seul élément qu'est notre panier. Du coup, notre panier contient plusieurs types différents regroupés en un seul type. C'est un petit peu ça qu'on appelle un tuple. On crée un tuple en écrivant entre parenthèses une liste de valeurs séparées par des virgules. Chaque position dans le tuple a un type, bien sûr. Et les types des différentes valeurs du tuple ne doivent pas nécessairement être les mêmes. C'est pas obligé que ce soit les mêmes types, en quelque sorte. Du coup, on va illustrer l'exemple évoqué avec notre panier de manière syntaxique. On va tout d'abord essayer de dénoter le titre de la leçon. On va essayer de dénoter le titre de la leçon. De la leçon, ce sera notion de type données partie 2. Puis, comme j'ai dit tantôt, nous allons illustrer le type tuple. On va déclarer, on va dire lettre panier. Lui sera considéré comme notre type tuple, lettre de panier. On a dit que le panier contenait en ordre d'abord un entier séparé par des virgules. Chaque élément sont séparés par des virgules. Puis nous avons le caractère C, puis nous avons trop. Ok, là nous venons de déclarer un tuple. Tuple panier. Alors, un type tuple nommé panier, bah, qu'est-ce qu'il va contenir? Il va contenir tout d'abord un entier qui est 5, un flottant qui est 5,5, un caractère qui est C et une valeur booléenne qui est true. Bah, c'est un petit peu ça les composants du type tuple. Alors, vraiment, qu'est-ce qui se passe en fait? La variable tuple se lie à l'ensemble du tuple car un tuple est considéré comme un élément composé unique. Notez qu'il est aussi, du moins, impossible d'afficher directement les quatre valeurs. Oui. On va essayer de donner tout cela avec un petit exemple en faisant un print ln, hein, sur la variable. C'est qu'on peut faire, on peut afficher un print ln, on peut afficher la valeur d'une variable avec un print ln. Donc, du coup, on va essayer d'afficher celui. Sachez déjà
cela. Je crois que la variable est bien écrite. On va essayer de compiler tout ça. On va faire un run. Et bien, vous avez constaté avec moi que le compilateur va nous présenter une belle erreur. Du coup, voilà la petite erreur qu'il y a. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le compilateur, voilà, ne peut pas imprimer, ne peut pas formater tous ces éléments en fonction, selon le formatage classique. Du coup, quand il avait des entiers, il formatait, ça veut dire qu'il affichait la valeur en fonction de son type, en quelque sorte, étant donné que le Rust fait de l'inférence de type, en quelque sorte. Du coup, là, vous lui donnez tellement de valeur qu'il ne sait pas comment, il ne connaît pas, en quelque sorte, le format, en fait, adéquat. Du coup, vous ne donnez pas, en fait, la possibilité d'afficher la valeur selon le format habituel. Ainsi, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir récupérer les éléments d'un tuple? C'est la petite question à faire. Eh bien, on va tout d'abord mettre ceci en parenthèse et dénoter que c'est impossible de le faire. Et on va préciser qu'on peut récupérer, donc, on va faire ça. Alors, pour extraire les valeurs individuelles d'un tuple, nous pouvons utiliser le filtrage pour déstructurer une valeur du tuple. Comme ceci. Le filtrage, dans le filtrage, on prend par le mot-clé lettre. On va toujours se servir de lettre. On va faire un filtrage. Ça veut dire quoi? On a d'abord notre variable panier. Puis, on va essayer de dénoter quatre variables. Étant donné que nous avons quatre éléments dans la variable panier, on va essayer de déclarer quatre variables. W, X, Y, Z. Et on va mettre ceci qui reçoit un panier. On va mettre un point virgule. Du coup, comme j'ai dit tantôt, on va utiliser le filtrage pour déstructurer une valeur du tuple. Comment cela se procède? Dès qu'on a écrit ceci, en quelque sorte, on va afficher, on va faire un println. On va faire un println. Bon, je vais directement faire du copier-coller. Je vais faire directement du copier-coller. Et je vais dire la valeur, le contenu de la variable. Supposons x. Contenu de la variable x. Contenu de votre variable x est. Puis on va essayer de compiler tout ça, de faire un run. Voilà. Quand vous le constatez bien, x c'était un flottant 5.5 et vous avez bien là la valeur de x 5.5. Alors ce programme va créer d'abord un tuple, d'abord, un tuple panier, et se lie à la variable panier. Donc là, ici, on a une liaison entre eux. On a une liaison entre les variables x, y et z. W et notre variable panier. Donc là, on a une liaison. Ça veut dire que la variable panier, en quelque sorte, on transforme les quatre éléments de la variable panier en les différentes variables distinctes qui est W, X, Y, Z. Alors, cette opération est appelée la déstructuration, car elle va diviser, elle divise le tuple qui était unique en quatre parties, afin que le programme imprime la valeur de X, la valeur de chaque élément, de chaque élément, de l'élément choisi en fonction de son format habituel. Du coup, dans cet exemple, on a pris tout d'abord la variable panier. Oui, elle est composée de quatre éléments. Du coup, si ce que la variable panier était composée de cinq éléments, voilà, si on ajoutait force là, et là, on va devoir peut-être ajouter un cinquième élément qui est peut-être haut. Et on pouvait dire que voilà, affiche-moi haut. Et bien sûr, force. Du coup, la déstructuration dépend d'abord du type de départ, du type qu'on va récupérer les éléments.
Si vous avez cinq éléments dans vos coutures de départ, eh bien, au niveau de la déstructuration, de la récupération ou de l'extraction des éléments, vous devrez déclarer un tuple à cinq éléments, cinq variables distinctes. Eh bien, je pense que la notion, cette notion étant bien comprise, il faut noter toujours, comme je dis tantôt, et comme je vais le dire chaque temps, la présence de la notion d'inférence de type. Car ici, nous n'avons pas précisé le type de chaque valeur. Du coup, réalisez que au niveau du premier affichage, au niveau de la variable x est 5,5, on a constaté qu'il est affiché selon le format flottant. Donc, du coup, c'est ce qu'on affiche là avec une variable booléenne. Il va afficher selon le format d'une variable booléenne. Tout simplement. Donc, là, je pense que c'est bon. Et vous pouvez constater bien qu'il va afficher selon le format d'une variable booléenne. Du coup, plus de la déstructuration par filtrage, nous pouvons accéder aussi directement à un élément du tuple en utilisant un point suivi de l'indice de la valeur à laquelle nous voulons accéder. Pour ceux qui ont fait déjà, qui ont déjà un petit peu travaillé dans un langage tel que un langage tel que le C, voilà, ceci se réfère à la notion de pointeur. Notion de pointeur. Okay. Alors, nous avons pu voir comment tout d'abord créer un tuple, puis comment extraire les éléments. Maintenant, on va essayer de voir comment accéder directement à un élément. Voilà. Du coup, je t'en donne que j'ai appuyé là. Ok. On a d'abord notre variable let panier. On va essayer d'accéder à un élément. Pour accéder à un élément, on va créer un élément, on va créer une variable accès panier. On va créer une variable accès panier qui va recevoir le panier. On va créer une variable accès panier qui va recevoir panier. Puis on va créer une variable let toujours accès. Ah bon, la variable accès entier va accéder panier en fonction de l'index. On va dire accès entier reçoit accès panier point à la position 0. On va faire un point virgule. Du coup, on va essayer d'afficher tout cela avec un println. Le contenu de votre variable accès entier. Je précise que accès entier va récupérer, va accéder à une variable entière. Donc au préalable, si on ne connaît pas réellement ce qui se cache, ce qui se trouve dans le tuple de départ, on ne pourra pas forcément écrire accès entier, on pourra juste écrire une variable A ou B pour juste récupérer les informations. Du coup, on va dénoter encore cela. On va faire un truc, comme j'ai dit, au hasard, on va dire accès. Accès position position voilà. On va récupérer et on va dire accès panier et on prend un nombre au hasard peut-être étant donné que la variable le contenu de notre tuple c'est 5 éléments puisqu'on a ajouté false c'est 5 éléments du coup on va accéder au sixième élément. Déjà pour que, comme c'est 5 éléments, étant donné qu'on compte de 0 à. Ok, on commence à compter de 0. Du coup, comme c'est 5 éléments, on va faire 5 moins 1. Du coup, le dernier élément sera en position 4. J'aimerais pas mettre le cas qui est impossible. Je vais d'abord mettre les deux cas qui sont possibles avant qu'on puisse voilà, pouvoir mettre un cas qui est impossible et que vous pouvez savoir d'abord que les éléments. Les éléments sont accessibles du moins sur que les éléments sont accessibles à telle position. Du coup, on va cliquer sur accès à ça, accès position, je vais dire position quelconque. Position quelconque. Position quelle on dit position x comme si on disait prenez une position voilà déjà.
déjà un petit peu fixe. Voilà, on va dire que c'est position quelconque. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va run tout ceci. Donc, pour accéder à un élément, on récupère tout d'abord le panier en quelque sorte. Puis on le met dans une variable accessible, variable accès panier. C'est juste, le met dans une variable accès panier. Puis au niveau de cette variable accès panier, on va juste se positionner pour faire accès panier.0, accès panier.4. Du coup, accès panier.0 va nous afficher normalement 5 et accès panier 4 va nous afficher false. Vous dénotez bien avec moi que accès panier 4 va retourner le dernier élément. Du coup, c'est ce qu'on faisait CTRL-C et on venait faire CTRL-V. Et ici, on disait accès pouce 2, la deuxième variable accessible en position quelconque, et on disait 7. Et on précise là accès pouce 2, on a 6 en axe. Un accès à une position quelconque qui est notre deuxième variable. Voilà. Du coup, on va cliquer sur Run. Ok, on va cliquer sur Run. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se dénoter? Eh bien, patientons quelques instants. Vous constatez bien que là, que accès panier à la position 7 nous présente une belle erreur, étant donné que la position 7 n'existe pas sur notre tube. Étant donné que pour essayer de voir la position exacte de notre tube, on devra faire le nombre d'éléments que nous pouvons dire n et le soustraire par moins 1 pour récupérer tout d'abord le dernier élément et essayer de faire un retour en arrière. Donc, du coup, si nous voulons accéder au troisième élément, on va faire 3 moins 1. Donc, le troisième élément se situera en position 2. C'est une petite astuce que je vous donne comme ça pour que vous puissiez réellement accéder à chaque élément sans vous casser la tête ou sans avoir une erreur de la sorte. Du coup, on va dénoter d'abord ceci commentaire. Et on va dire que c'est impossible. Donc, étant donné que cette syntaxe est impossible, on aura terminé avec plus précisément avec la notion de type. Donc, du coup, la notion de type étant bien assimilée, nous allons passer à le mécanisme qui se cache derrière les tableaux. Alors, une autre façon d'avoir une collection de valeurs multiples est d'utiliser un tableau. Contrairement à un tuple, chaque élément d'un tableau doit avoir le même type. Ah, c'est ça qui est assez restreint. Les tableaux dans Rust sont très différents des tableaux que vous avez rencontrés dans d'autres langages de programmation. Car les tableaux en Rust ont une longueur fixe. On peut un peu renvoyer ça au niveau du type de code, au niveau de l'algorithmique. Où nous avons pour créer un tableau, on déclarait souvent des constantes n qui ne changeaient pas, qui ne variaient pas souvent, qui ne variaient presque jamais dans l'exécution de nos programmes. Du coup, dans Rust, les valeurs d'un tableau sont écrites sous forme d'une liste, séparée par des virgules entre crochets. On va essayer de déclarer un tableau, comme d'habitude. On va essayer d'illustrer tout cela. On va faire un let tab. Égal les éléments étant dans des crochets, on va dire 100, 3000, 5, 9, 10, 0. Et on va faire un peu. Ça, nous constatons que n de la taille. De ce tableau, c'est 6. La taille de table, en quelque sorte.
Alors, les tableaux sont utiles lorsque vous voulez que vos données soient réparties sur la pile plutôt que sur le tas. En fait, ce sont des structures de données. Pile et tas. Ce sont des structures de données que, si possible, nous parlerons de cela dans la vidéo concernant les structures de données que j'ai pour ambition de faire. Alors, du coup, nous allons aussi revenir sur ça et, si possible, vous allez voir, comprendre mieux plus au niveau des liens qui sont sur la description ou au niveau du site pandacodeur.com où je présente quelques petits cours sur cela. Ok. Donc du coup, il faut savoir que les tableaux sont utiles lorsque vous voulez que vos données soient réparties sur la pile plutôt que sur le tas. Donc c'est un petit peu ça. Alors, il est aussi possible, il est aussi utile lorsque vous voulez vous assurer que vous avez toujours un nombre fixe d'éléments. Un tableau n'est pas aussi flexible que le type vecteur que nous allons aussi voir plus loin. Voilà. Alors, on va illustrer tous mes dires avec un petit exemple, avec une variable letMonth. Donc, nous avons notre variable letMyMonth. Nous avons notre variable letMyMonth. Ça veut dire que les mois de l'année, en quelque sorte. Voilà. Nous avons là January, c'est en anglais, en quelque sorte. Du coup, nous avons là les différents mois de l'année. On va essayer de rafistoler tout cela. Constatez bien que nous avons les 12 mois de l'année. Ici, nous avons les 12 mois de l'année. Nous avons les 12 mois de l'année. Une année comprend 12 mois. Ça veut dire que le nombre d'éléments, grand N ici, alors la taille, on va mettre une petite barre, alors la taille. Qui sera toujours fixe, n vaudra combien 12. Du coup, là, c'est un petit exemple pour vous dire que on utilise un tableau lorsque nous savons que nous connaissons toujours un nombre fixe d'éléments que le cadre de tableau va contenir, ce qui n'est pas souvent dans n'est pas souvent dans le cas, certaines situations. Alors, dénotons ici l'utilité d'un tableau. Quant au fait que nous savons qu'il y a non pas un, non pas deux, mais 12 mois de l'année. Durant une année, voilà. Et ceci ne changera pas. Ainsi, le nombre d'éléments à représenter est fixe. Aussi, une notion ou point, si je puis dire ça comme ça, important, que j'ai remarqué dans le Rust et qu'on peut directement fixer le nombre d'éléments de notre tableau et préciser par annotation le type d'élément qui se retrouve quelque sorte. Illustration. Okay. On va déclarer une variable lettre qu'on appelle On va déclarer une variable parce qu'on a vu le conteneur. Rappelez-vous, nous avons fait un petit cours sur les illustrations. Là, on va préciser I32 et faire virgule. On va faire virgule 6. Okay. Puis, nous allons préciser 1, 2, 3 et 4, 6. Nous avons notre variable container. Nous avons tout d'abord précisé le nombre d'éléments et le format sur lequel sera les différents éléments de notre tableau. Donc là, nous venons de déclarer un tableau par annotation et on précise de plus la taille de ce tableau. Un autre point que j'ai aussi remarqué,
a évoqué, voilà, est que l'on peut, qu'on puisse, on peut créer un tableau qui contient la même valeur pour chaque élément. Ainsi, pour ce faire, on va juste spécifier la valeur initiale suivie d'un point virgule, puis la longueur du tableau. Illustration. Là, on va déclarer, on va faire conteneur 2, on va dire cap, crochet, 5,5, voilà, point virgule. On va cliquer sur Run. On patiente quelques instants. Bon, du coup, il y a une petite erreur. Ah oui, là. Ok, là, j'ai un petit peu fait une bourde. Ce sont les points virgules. On va cliquer sur Run. Je crois que là, ce sera bon. Du coup, pour le LED de. Ah là, j'ai encore fait une boule, je crois que là c'est bien. Ok, du coup là, alors cette syntaxe revient à une tranche tâche. Car cette syntaxe reviendrait à écrire ceci en quelque sorte. Je vais donc, cette syntaxe reviendrait à écrire conteneur 2 sous cette forme. Syntaxe est égal encore à cette syntaxe. Donc on écrit 5. Tout d'abord, on dénote là le nombre d'éléments. Voilà le nombre d'éléments de notre tableau. Et à sa gauche, du moins à votre gauche, nous avons l'élément qui sera dupliqué à n fois, c'est-à-dire n la taille du tableau. Ok. Du coup, maintenant, il est clair que nous avons vu quelques éléments du tableau en quelque sorte. Maintenant, les opérations qui sont généralement effectuées grâce à la notion de tableau ne peuvent réellement se faire si on ne peut accéder à ces éléments. Du coup, l'accès à un élément du tableau se fait par indexation. Alors, je m'explique. En gros, un tableau, c'est un morceau de mémoire unique alloué sur la pile. Nous avons évoqué la pile précédemment. Nous avons dit qu'une pile c'est comme une structure de données, qu'on va juste créer des éléments au fur et à mesure, du moins retenir comme ça. Alors, c'est un morceau de mémoire unique alloué sur la pile. Et vous pouvez accéder aux éléments d'un tableau en utilisant l'indexation. Illustration, on va créer un tableau, on va écrire un tableau, on va dire, on va utiliser un autre tableau. Table, pourquoi créer un autre tableau? On va utiliser un autre tableau. Table, on va dire index 0, ça veut dire que l'élément en position 0, index 0 reçoit table crochet 0. Point virgule. Donc, index 0 reçoit table crochet point virgule. Du coup, CTRL-V, c'était conteneur. On fait un CTRL-V pour essayer d'afficher cet élément. On va faire un println. On va faire un CTRL-V. On va dire index 0. Voilà, index 0. Du coup, là, alors la valeur, la variable index 0 va donner la valeur. Car c'est la valeur de l'index en position 0 du tableau. Si vous nous voulons faire cela avec l'index 3, on va dire, on va déclarer l'index que de créer écrit, je vais juste changer
là un petit peu. C. Je vais les préciser là. Pour IndexTree, la variable IndexTree va donner la valeur de 4, la valeur, pas la valeur 4, et va donner la valeur, on a dit IndexTree, ça veut dire qu'on va compter de 0, 1, 2, 3, 4, et va donner la valeur 9, voilà, car c'est la valeur de l'index 3. Du coup, sans plus tarder, nous allons essayer d'afficher. Donc, pour index 0, on aura la valeur 100, et pour index tree, on aura la valeur 9. On va essayer de voir tout cela. Eh bien, c'est bien ce qu'on constate là, que pour index tree, on va essayer de préciser pour que ça soit un peu plus courant. La valeur de la variable index 0, et index c, j'ai fait un petit run. Et je pense que nous avons bien là la valeur. Le contenu de votre variable index 0 est 100 et le contenu de votre variable index tree est 9. Et nous constatons bien dans le tableau table que si nous comptons de 0 à 6, voilà, on va pouvoir. Du coup, les amis, c'était tout pour cette deuxième partie au niveau des types de données. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À très bientôt et surtout, gardez la restatitude.